don't know where God took you from. Says, that's God told me this. Le ténèbre, the darkness ne pas toujours. Will not reign forever in your life. Say amen. Dit amen. Je dis que le ténèbre, I said the darkness ne pas toujours dans ta maison. Will not reign forever in your house. Mariage. Even in your marriage. Si les années passées, if yes, on te passe les opprobres, were covered with trouble. Cette année, this year, la lumière et la gloire. The light and glory comes in your life. Moi, say, I believe. Pastor, je crois, pasteur. C'est ta prophétie. It's your prophecy. Si l'année passée tu as pleuré. If last year you cried. Si ta vie a connu beaucoup de tourments. If your life knew a lot of battles. Cette année. This year. 21. You. C'est ton année. It's your year. Et Dieu doit va essuyer tes larmes. And God will clean your tears away. Et depuis hier. And from yesterday. J'ai vu la lumière de Dieu. I saw the light of God. Au-dessus de l'église. Above the church. Et Dieu me dit. And God was telling cette me. Cette église est visitée. This church is visited. Et vos vies là. And your lives. Visitées aussi. Visited as well. Lui qui dit trois fois. The one who says three times amen. Que je parle. As I'm speaking. Que la lumière entre. Let the light enter your house. Que je parle. As I'm speaking. La lumière entre dans the l'église. Enter your tent in your house as I'm speaking. La lumière entre dans ton ministère. The light is entering your ministry. I came to tell you. Ministère. Your ministry. Vous donnez le choc. Will surprise vous people. Donnez le choc. It will surprise men. Que je parle. As I'm speaking. Le niveau de ton ministère change. The level of your ministry is changing. Laisse-moi te parler. Je vais prêcher. Let me speak to you. I want to preach. Écoute-moi. Listen to me. Dieu m'a dit. God told me. Tu ne dois plus continuer à souffrir. You must not continue suffering. Et dans la dimension de mon ministère. And in the dimension of my ministry. Il y a la dimension du jugement. There's the dimension of judgment. Et Dieu m'a dit. And God told me. Tes ennemis. Your enemies. Ne vont plus danser. Will no longer dance. Ils ne seront plus dans la joie. They will no longer be in joy. La joie c'est ton partage. The joy is for you. Pourquoi là où tu es. And where you are. Celui qui a tourmenté. Everyone who tormented your life. Combien d'années qu'il a tourmenté. For how many years he tormented your life. Parle, as I'm speaking. Il est tourmenté maintenant. He is tormented now. Say amen. Dites amen. I am a father. Je suis un père. Laisse-moi parler sur ta vie. Let me speak upon your life. Depuis ton enfance. Ever since your childhood. En fait, tu es maudit. They are just cursing you. En fait, tu es maudit. They are always cursing your life. Et si on te maudit aujourd'hui. And if they curse you today. Sur une année. In one year. C'est 365 malédictions. It's 365 curses. Et pendant 10 ans. And it's for 10 years. Pendant 15 ans. It's for 15 years. Ils maudissent ta vie. They are cursing your life. Ils veulent voir le malheur dans they want to see misfortune in your life. Let me bless you. I am a father. Je suis le père. Ta vie sera bénie. Your life will be blessed. Ta vie est bénie. Your life is blessed. Ta vie va prospérer. Your life will prosper. Ta vie ira de l'avant. Your life will move forward. Qu'il est écrit. As it is written. Mon serviteur. My servant. Montera. Will rise. Je te prophétise. I prophesy to you. We will rise. Mon serviteur. My servant. Prospérera. Will prosper. Prospérera. We will prosper. Mon serviteur. My servant. Il le fera. Will rise. Il le fera plus haut. We will rise higher. Je vois des éclairs dans la salle. I see lightning in the hall. Et je vois des choses en train de se détacher de la vie de quelqu'un. And I see things being detached from the life of someone. They are leaving. They are leaving. Je suis venu annoncer. I came to announce. Une saison de grâce. A season of grace in your life. Saisis cela. Seize it. La Bible déclare. The Bible declares. Oh, la foi. Faith est une ferme assurance. Is a firm assurance. Des choses qu'on espère. Of things we hope for. Une démonstration. And a demonstration. De ce qu'on ne voit pas. Of what we do not see. Et la foi dans ce que je suis en train de te dire. Have faith in what I'm telling you. Saisis ce que je suis en train de te dire. Seize what I'm telling you. C'est lui qui t'a tourmenté. The one who was tormenting you. On t'appellera au téléphone. They will call you on the phone. On te dira après ce culte. And tell you after this service. Cette personne. This person. Est secouée à cause de toi. Was shaken because of you. Tu auras un coup de fil après ce culte. You will have a phone call after this service. C'est lui qui te combat. They will tell you the one who was fighting you. You fell down and they brought him to hospital. Écoute-moi. Listen to me. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. I don't hope for the death of someone. Mais Dieu doit faire un choix. But God must make a choice. Dieu est en train de faire un choix. God is making a choice. Ou bien c'est ton ennemi. Either it's your enemy. Ou bien toi tu prospères. Or you will prosper. Si ils ne veulent pas te laisser prospérer. If they don't want to let you prosper.
leur problème. It is their problem. Dieu a tué Pharaon. God killed Pharaoh. Parce qu'il n'a pas voulu lâcher les enfants d'Israël. Because he didn't want to let go the children of Israel. I speak as a father. Que tu es orphelin de père et de mère. As you are. Peut-être que tu es orphelin. Maybe you are orphan. Peut-être que tu n'as plus tes parents. Maybe you no longer have your parents. Je suis comme ton père. I am as your father. Même s'il n'est pas là. Even if he's not there. I can speak upon your life. On va m'écouter. And God will listen to me. Cette année, this year, toute personne, every person, va continuer. Who will continue? À vivre ta vie. Pursuing your life. Il te lâche pas. If he doesn't love you, God will kill him. Je dis que s'il te lâche pas, I say if he doesn't leave you, va le tuer. God will kill him. Qu'il soit dans ta famille, je m'en fous. Whether in your family, I don't care. Si toi qui as mis tes pieds, if you will place your feet here, continue à tourmenter ta vie, tormenting your life, continue à rêver les gens qui sont morts, continue dreaming about people who died. Toi qui es en train de faire ça, those who are doing that, je leur donne, I give them, jusqu'à la fin, up until the end, exécute-les of this service. Ils they continue. Je prends l'Éternel à témoin. I take the Lord as a witness. Faire un choix. God will make a choice. C'est toi qui vas aller au cimetière. Whether it's you who will go to the grave, or there will go. Que toi, but I know that you are the choice of God. You are the choice of God in your family. You are the choice of God in your family. Pourquoi je parle? And that is why I speak. Il y a un temps pour chaque chose. There's a time for everything. Il y a un temps pour toi de pleurer. There's a time for you to cry. Il y a aussi un temps d'être dans la joie. And there's also a time to be in joy. Je suis venu t'annoncer. I came to announce la saison de la joie. The season of joy. 1000 tomberont à ton côté. 1000 will fall at your side. 1000 à ta droite. 10,000 at your right hand. Ne sera pas. But you will not be touched. Et tes yeux tu regardes. With your eyes you will look. Dans la rétribution. You will see the reward on the wicked. Il est écrit. It is written. Je veux de l'Éternel. I make the Lord. Refuge. My refuge, ma forteresse, my fortress, aucun malheur, no misfortune, sera de will ta... come near my tent. Car, for, il ordonnera, he will command, à ses anges, his angels, de vous porter, to carry you. Pendant que je suis ici, as I am here, les anges de l'Éternel, the angels of the Lord, sont dans vos maisons, are going in your houses, gardez vos enfants, are keeping your children. Abe abokenda, eboke aboshinde, zabra, igo egosunde. Pendant que je parle, as I'm speaking, il y a un mouvement. There's a movement. Le diable veut tuer vos enfants. The devil wants to kill your children. Pendant que je parle, as I'm speaking, il y a un vent. There's a wind. Ici en Afrique du Sud. Here in South Africa. Ça veut tuer les enfants. It wants to kill children. Écoute-moi très bien. Listen to me very well. Aucun no de tes enfants, children of yours, ne va tomber. Will fall. Je dis bien aucun de tes enfants. I said none of your children. Si j'étais toi, if I were you, je citerai leur nom dans I will mention their name. Israël ne sera pas touché. I will say this one will not be touched. Je citerai ses enfants. I will mention those children. Parce que pendant que je parle, because as I'm speaking, je vois l'ange de l'Éternel. I see the angel of the Lord. Les a relâché. The Lord has released them. Dans chaque famille, to go in every family, les enfants, and protect the children. Il est écrit, it is written. Je donnerai à mes I will command my angels. Mes anges de my angels to keep. Écoute-moi. Listen to me. Cet accident-là, even that accident, n'arrivera pas. Will not come. On ne détruira pas cette voiture. They will not destroy that car. Écoute-moi très bien. Listen to me very well. Les anges sont relâchés. The angels are released. Celui qui acclame, qui dit amen. The one who claps and says amen. Sont relâchés. The angels are released. Celui qui dit encore amen. The one who says amen very hard. Les anges sont relâchés. The angels are released. Arrête à soulever. Nos mains levées. Alors, we raise our hands. En train de prier. We are praying. Chacun est en train de prier. Everyone is praying to the Lord. Des prières à l'Éternel. Pray to the Lord upon your life. De dire à Dieu. Tell God. Que ma saison change. Let my season change. La saison de douleur change. The season of pain change. Une saison. It's a season. De prospérité. Of prosperity. Restauration. Of restoration. Saison de la mort change. The season of death change. Ma saison à moi. And my season à une saison de restauration. There is a season of restoration. De taper nos mains. You are clapping your hands. T'as de taper. You are clapping your hands. Est en train de prier. Each one is praying. D'invoquer le Seigneur. Calling upon the Lord. Please pray.
prier. Raise your hand as you continue to pray. Pendant la prière. Call your children in the prayer. Raise up your hands. Seigneur, merci. Lord, thank you. Merci pour ta grâce. Thank you for your grace. Merci pour ta puissance. Thank you for your power. Père, nous te bénissons. Father, we bless you. Et nous te rendons grâce. And we give you thanks. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous disons Amen. And we say Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Can Seigneur? We clap for the Lord? Qui peut saluer la présence du Saint-Esprit? Who can greet the presence of the Holy Spirit? Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité. I bless the Lord again for this opportunity. Et je suis venu vous parler. And I came to speak to you. De la grâce. About grace. Et j'ai insisté. And I insisted. De la grâce qui résulte de l'alliance. Of the grace that comes from the covenant. Il y a la grâce qui produit l'alliance. There is the grace that produces a covenant. Il y a aussi l'alliance qui produit la grâce. And there is also the covenant that produces grace. Mais je vous ai parlé de l'historique de la grâce. And I spoke to you about the history of grace. Et j'ai insisté. And I insisted. La grâce a commencé. Grace began. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. L'homme et la femme. The man and the woman. Ça signifie Adam. Which means Adam. Et Eve. And Eve. Ont péché. They sinned. Et lorsqu'ils ont péché, and when they sinned, Dieu a fait quelque chose. God did something. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? What did the Lord do? Avant que le Seigneur puisse tuer un animal, before the Lord killed an animal, récupérer la peau, take the skin, le revêtir, and clothe them, les hommes, the men, ça signifie Adam et Ève, Adam and Eve, ils ont allé voir vers le figuier. They went to a fig tree. Ils ont coupé les herbes. They cut the leaves. Et ils ont fabriqué des ceintures. And they made belts. Pour cacher leur nudité. To hide their nudity. Et lorsque Dieu a vu ça. And when God saw that. Et Dieu a trouvé que le figuier. And God found that the fig leaf. Ne peut pas cacher la nudité de quelqu'un. Could not hide the nakedness of a person. Dieu a tué un animal. God killed an animal. Il a retiré la peau. And he removed the skin. Et Dieu les a couverts. And covered them. J'ai insisté à ce niveau. I insisted at that level. Que l'homme. That the man. N'est pas appelé. Is not called. À se sauver lui-même. To save himself. L'homme. A man. N'est pas appelé. Is not called. À se justifier lui-même. To justify himself. L'homme. The man n'est pas appelé is not called à couvrir sa nudité to cover his nakedness lui-même himself. Et c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, which is why I came to tell la someone, nudité nakedness c'est la honte dans la vie, is shame in life. Et Dieu est déterminé, and God is determined, à enlever la honte dans ta vie, to remove shame from your life. Dieu est déterminé, God is determined, à te justifier devant tes ennemis, to justify you before your enemies. C'est pourquoi il est écrit, which is why it is written, garde silence, keep silent. C'est l'Éternel qui combattra pour it is toi. The Lord who will fight for you. Je croyais que tu dirais amen. I thought you would say amen very well. Je l'ai expliqué. I explained. Le vêtement qui a été fait de feuilles de figuier. The cloth that was made from fig leaves. N'avait pas la forme. Did not have the form. D'une blouse. Of a gown. Ni d'un pantalon. Or a trouser. Ça avait la forme. It had the form. D'une ceinture. Of a belt. J'ai insisté à ce niveau. I insisted at that level. Pourquoi la ceinture? Why the belt? Parce que la ceinture, because the belt, c'est une vérité. Is a truth. C'est la dimension de la vérité. It is the dimension of truth. Et c'est là que Jésus dit à Pierre. And that is why Jesus says to Peter. Lorsque tu étais jeune, when you were young, tu mettais la ceinture sur toi. You were putting a belt around et you. Et tu allais là où tu voulais. And you were going wherever you mais wanted. Lorsque tu deviendras vieux, but when you become old, quelqu'un d'autre mettra la ceinture. Someone sur toi, else will put the belt et on you. Et t'amènera là où tu ne veux and pas. You where you do not want. C'est lui qui met la ceinture sur lui-même. The one who puts a belt on himself. Pour cacher sa nudité. To hide his nakedness. Il se justifie lui-même. He's justifying himself. Il veut cacher sa honte lui-même. He wants to hide his shame himself. C'est un signe de l'immaturité. It's a sign of immaturity. C'est ce qui symbolise la jeunesse. Which is what symbolizes youth. Mais lorsque quelqu'un devient mature. But when someone becomes mature. Il devient vieux dans les choses de Dieu. He is old in the things of God. Il
God. Comprend qui est Dieu. He understands who is il God. Ne peut pas lui-même he cannot himself couvrir sa nudité. Hide his nakedness. Mais c'est quelqu'un d'autre but it's someone else qui met la ceinture sur lui who places the belt et around qui l'amène là où il ne veut pas. And takes him where he does c'est not want. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un which is why I want to tell someone, parle plus, don't speak anymore. Justifie plus, don't justify yourself ne anymore. Pas toi-même ta don't honte. Cover your own shame Dieu yourself. C'est ton père. God is your father. Je dis Dieu c'est ton père. I say God is your father. C'est celui qui va enlever la honte dans he's ta the vie. One who removes shame from your life. D'ailleurs c'est lui qui dit amen. And the one who says amen. Demain c'est loin. Tomorrow is far. Avant de quitter cette église. Before leaving this place. Dieu va couvrir ta honte. God will cover your shame. Là on s'est moqué de toi. People were mocking là on a parlé du mal de toi. Where they spoke ill of you. Les gens reviendront. People will come back. Ils se mettront à genoux. They will kneel down. Ils le reconnaîtront. They will acknowledge que toi tu as Dieu. That you have God. Tu as manqué de dire amen là très bien. You didn't say amen very well. La Bible dit tu oublieras la honte de ta veuvage. The Bible says you forget the shame of your widowhood. Car l'Éternel deviendra ton époux. For the Lord will become your husband. Le Seigneur te gardera. The Lord will establish you. Il te protégera. He will protect you. C'est lui qui met la ceinture sur toi. He's the one who puts the belt on you. Cesse de te battre toi-même. Stop fighting for yourself. Ce n'est pas Adam et Ève. It is not Adam and Eve qui ont tué l'animal. Who killed the animal? C'est Dieu qui l'a tué. It's God who killed him. Et l'animal tué. And the killed animal. C'est l'image de Christ. Is the image of Christ. Et c'est l'image de la grâce. And is the image of the grace. Là, j'insiste encore, maman. There I insist again. Lorsqu'on met le feuille de figuier sur soi-même. When you put fig leaves on yourself. C'est la dispensation de la loi. It's dispensation of the law. Alors que lorsqu'on laisse Dieu tuer un animal, while when you let God kill an animal, c'est la dispensation de la grâce. It's dispensation of grace. Tu ne peux pas apprécier la grâce. You cannot appreciate grace. Si tu ne comprends pas la loi. If you don't fight the law. Nous allons lire après. We are going to read later. Qu'est-ce que c'est la grâce? What is grace? Qu'est-ce que c'est la loi? What is the law? Pasteur Sony, la loi, Pastor Sony, the law, c'est ce que Dieu nous exige. Is what God commands us. Alors que la grâce, while grace, c'est ce que Dieu pourvoit. Is what God provides. Quelqu'un qui marche sous la loi, someone who works on the law, Dieu l'exige. God commands. Fais ceci. Do this. Fais ceci. Do that. C'est lui qui entre dans la grâce. The one who enters in grace. C'est Dieu qui fait à sa place. It is God who does in his place. Et c'est pourquoi. Which is why. La loi. The law. C'est l'exigence de Dieu. It's an exigence from God. Alors que la grâce. While grace. C'est la provision de Dieu. Is the provision of God. Or, le mot provision. While the word provision. En hébreu. In Hebrew. Ça signifie jurer. It means jurer. C'est là qu'on dit Yahweh juré. That is where they say Yahweh jura. Ça nous donne l'histoire de Moriah. It gives us the story of Moriah. Là où Isaac devait mourir. Where Isaac had to die. Mais Dieu. But God. A remplacé Isaac. Replaced Isaac. Par un bélier. By a ram. Isaac. Isaac. N'est pas le type de Christ. Is not the type of Christ. Moi et toi nous sommes des Isaac. Me and you we are Isaacs. Jésus, Jesus, c'est le bélier. Is the ram. On a enlevé Isaac. They remove Isaac pour que le bélier meure. So that the ram may die. Pendant que je parle, as I'm speaking, la grâce, the grace, meurt, dead, pour que toi, the grace dies so that you, vives, you may live. Et c'est pourquoi Jésus, which is why Jesus, c'est la grâce, is grace. C'est lui qui prend tes douleurs. The one who takes your pains. C'est lui qui souffre pour toi. The one who suffers for you. C'est lui qui se fait pauvre. The one who makes himself pour que poor, toi tu deviennes riche. So that you may become c'est rich. Pourquoi dans la grâce, which is why in grace, il y a la provision. There is the provision. Il n'y a pas ton effort. There is not your effort. C'est Dieu qui agit à ta place. It's God who works in your et place. Ça, il est écrit. Isn't it written? Nous sommes sauvés. We are saved. Par la grâce. By grace, au moyen de la foi, through faith, cela ne vient pas de toi. That does not come from you. Et c'est pourquoi là où vous êtes, which is why where you on are, vous appellera. They will call you. On te dira viens travailler. They will tell you come and work. Il y a des gens qui cherchent le contrat. There are people who are looking for contract. Mais toi le contrat va te chercher. But you contract will look for you. Say amen. Dit amen. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui cherchent le mariage. There are people looking for marriage. Toi, le mariage viendra te chercher. You marriage will come and look for you. Il y a des gens qui cherchent l'argent. There are people looking for money. L'argent viendra te chercher. Money will come and look for you. Là où il y a la grâce. So where there's grace.
Il y a l'attraction des choses. There's attraction of things. Et là où il y a la loi. And where there's the law. On force les choses. They force things. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. La grâce qui est en train de vous affecter. The grace that is affecting you. Va commencer à attirer les choses. Will begin to attack things. Tu comprends? You understand? I'm speaking like a father. Je parle comme un père. Va en ville. Go in town. Tu vois une belle voiture. You see a beautiful car. Tu touches la voiture. You touch the car. Tu dis suis-moi. You say follow me. Ah. Tu vas à Santon. You go to Santon. Regarde la plus belle maison. Look at the most beautiful tu house. Touche la maison. You touch the house. Tu dis suis-moi. You say follow me. Donc même si ça ne te suit pas physiquement, so even if he's not following you physically, déclare, the Bible declares, il appelle à l'existence, he brings to existence, les choses qui n'existent the pas, things that do not exist, il ordonne, when he commands, cela s'accomplit, if he's accomplished, c'est ça la foi, that is faith. Dis amen bien. Say amen very well. Aujourd'hui, je dois m'étendre beaucoup sur la grâce. Today, I will have time to speak about grace. Dieu m'a dit, parle sur la foi triomphante. God said, speak on the winning faith. Vous ne pouvez pas saisir la grâce si vous n'avez pas la foi. You cannot seize grace if you do not have faith. Va en ville. Go to town. Regarde la belle voiture. Look at the beautiful sur car. Sur le parking là. On the parking. Touche. Touch it. Dis à la voiture, suis-moi. Touch the car, follow me. Je te dis des choses. I'm telling you things. Va sur un parking là où on vend des véhicules. Go to a parking where they sell cars. Pose la question au propriétaire. Ask the owner. Quelle est la voiture la plus chère ici? Even the most expensive car. Il te montre et dit amène la clé. Enter inside. Commence à poser des questions. Start asking questions. Est-ce que c'est le pétrole ou le mazout? Is it petrol or diesel? Quelle est la modalité de paiement? What is the way of payment? Dans la poche tu n'as rien. In the pocket you have nothing. Lorsque tu termines. But when you finish, dis que je reviendrai prendre ça. Tell him I'm coming back to take it. Avant de partir, touche le véhicule. Before leaving, touch the car. Suis-moi. Tell the car, follow me. Yes, yes, yes. Ne doute pas. Don't listen. Ce que tu dis là. What you say. Crois que ça va arriver. Believe it will happen. Tu le verras arriver. And you will see it happen. Il n'est pas besoin de 21 jours. You don't need 29 days of prayer. You don't need 10 days of prayer. You need to believe. Tu dis à cette montagne. When you tell that mountain. Toi de là. Remove from there. Toi de l'autre côté. And call yourself that side. Ne doute pas. Don't doubt. Savez. Amen. Sonny. Le mot doute. The word doubt. Le mot doute. The word doubt. En hébreu. In Hebrew. Ça a la valeur 240. It has the value 240. C'est la même valeur que Amalek. It is the same value as Amalek. Amalek. A 240. Has 240. Comme valeur. As value. Et doute aussi. And doubt as well. En hébreu aussi. In Hebrew. Il a 240. It has 240. Qui est Amalek? Who is Amalek? C'est celui qui voulait arrêter Israël. It is the one who wanted to stop Israel. Pendant qu'il allait dans sa destinée. While he was going in his destiny. Il a attaqué par derrière. He attacked from behind. Qui est Amalek? Who is Amalek? Amalek est sorti de Saül. Amalek came from Esau. Et Israël est sorti de Jacob. And Israel came from Jacob. Amalek et Israël. Amalek and Israel. Sont des cousins. Are cousins. Sont des cousins. They are cousins. Lorsqu'Israël voulait aller. When Israel wanted to go. Vers la terre promise. Towards the promised land. Amalek. L'a tenu par derrière. Held him from behind. Pour l'empêcher d'aller. To hinder him from going. Or si Amalek. While if Amalek. Symbolise le doute. Symbolise doubt. Le doute ne vient pas. À l'extérieur. Doubt does not come from outside. Le doute relève du lien de ton sang. Doubt comes from the blood ties. Parce que ton père. Because your father. Est mort à 40 ans. Died at 40 years. Malheureux. Misfortune. Tu crois aussi toi aussi tu mourras à 40 ans. You believe that you too you will die at 40. Comme ton père avait beaucoup d'argent. As your father had a lot of il est mort money, pauvre. But he died poor. Toi aussi tu confesses. You see you confess. Tu auras l'argent. You have money. Mais tu mourras pauvre. But you will die poor. Parce que ta mère. Because your mother. A divorcé. Divorced. Toi aussi. You too. Tu crois que tu vas divorcer. You think you'll divorce. Le doute que tu as. The doubt that you have. Que tu crois. As you believe. Vient de ton sang. It comes from your blood. Écoute-moi très bien. Listen to me very well. Je suis venu te dire. I came to tell you. Ne doute pas. Don't doubt. Si tu parles. If you speak. Crois. Believe. Que Dieu va faire cela. And God will do it.
La foi est une force. Faith is a strength. La foi c'est un principe spirituel. Faith is a spiritual principle. Mais la foi, but faith, c'est un mystère. Is a mystery. La Bible dit le mystère de la foi. The Bible says the mystery of faith. Je me suis réveillé le matin. I came in the morning. J'ai dit à ma femme. I told my wife. J'ai constaté que l'église est devenue petite. I noticed that the church is now small. Dieu m'a dit. God told me. Va demander aux voisins. Go and ask the neighbors. Qui te donne 5 mètres dans sa parcelle. That they may give you 5 meters in their yard. Et que l'église quitte là-bas arrive dans sa parcelle. So let the church leave here and go to his yard. J'ai dit à ma femme. I told my wife. Dieu m'a dit. God told me. D'aller demander aux voisins. To go and ask the neighbors. 5 mètres. 5 meters. Ma femme m'a dit, tu es vraiment sûr de ce que tu dis? My wife said, are you sure about what you say? Allons, I said, allons. Let's go. On est arrivé. We went there. J'ai pris quelques frères. I took few brothers. Je les ai dit. I told them. Dieu m'a dit. God told me. L'église doit grandir. The church must grow. Parce qu'il va envoyer beaucoup de gens. Because he will send many people. Il nous faut 5 mètres. We need 5 meters. On arrive chez le voisin à 6h30. We get to the neighbor at 6:30. J'ai dit au serviteur. I told the servant measure. Le voisin dormait. The neighbor was sleeping. Il se réveille. He wakes up. Il nous trouve dans sa parcelle. He finds us in his yard. En train de mesurer. Measuring. Qu'est-ce que vous faites ici? What are you doing here? Il dit, Dieu m'a dit. I told him God told me. Prendre 5 mètres dans ta parcelle. To take 5 meters in your yard. Bon, he said really. Dans ma parcelle. In my yard. Dieu t'a dit. God told you. 5 mètres. 5 meters. Que l'église quitte là-bas. That the church leaves there. L'église entre dans ma parcelle. And enter in my yard. J'ai dit oui. I said yes. Il m'a regardé. He looked at me. J'ai dit combien? I said how much? On te paye combien? How much will we pay you? Il m'a regardé. He looked at me. Il m'a dit tu m'as dit non? He said you said. Que Dieu a dit. That God said. Rien. Nothing. Avancez l'église jusqu'ici. Bring the church up until here. Priez seulement pour moi. Just pray for me. Je lui ai dit mets-toi à genoux. I told him kneel down. Je l'ai béni. I blessed him. Priez sa famille. Him and his family. Pendant que je vous parle. As I'm speaking to you. L'église a quitté là où c'était. The church left where it was. On a pris 5 mètres dans sa parcelle. And we took 5 meters in his yard. Dieu a dit. God said. Toi tu veux quoi? What do you want? Je n'ai pas gêné. I did not fast. Je me suis réveillé le matin. I woke up in the morning. J'ai obéi. And I obeyed. Et Dieu a disposé son cœur. And God availed his heart. Et nous avons augmenté de 5 mètres. And we added 5 meters. Après un temps, c'était rempli de gens. After some time, it was full. Pourquoi tu doutes? Why do you doubt? Pourquoi tu as des doutes? Why do you have doubts? Cette année, Dieu va changer ta vie. This year, God will change your life. Pourquoi tu as des doutes? Why do you have doubts? Cette année, le lien de célibat va tomber. This year, the ties of celibacy will fall. Pourquoi tu as des doutes? Why do you have doubts? Dieu va bénir ton ministère. God will elevate your ministry. Pourquoi tu as des doutes? Why do you have doubts? Dieu va t'élever. Elevate you at work. Pourquoi tu as des doutes? Why do you have doubts? N'est-ce pas il est écrit? Isn't it written? Si tu crois, if you believe, tu verras. You will see la gloire de qui? The glory of who? La gloire de Dieu. The glory of God. Dis amen bien. Say amen very well. Genèse 15 verset 5. Genesis 15 verse 5. Genèse 15. Genesis 15 verse 5. Verset 1. Verse 1. La foi triomphante. The winning faith. C'est cette foi qui peut saisir la grâce. It is that faith that can seize grace. La Bible dit. The Bible says. Après ces événements. After these events. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. The word of the Lord came to Abraham. Dans une vision. In a vision. En ces termes. In this way, sois sans crainte. Do not be afraid, Abraham. Abraham, je suis moi-même ton bouclier. I am your shield. J'aime ça. Ta récompense sera très grande. Your reward will be very great. Souligné, je suis ton bouclier. Underline, I am your shield. Ta récompense sera grande. Your reward will be great. Abraham répondit, Seigneur. Abraham answered, Lord. Éternel, que me donneras-tu? What can you give me? Je m'en vais sans enfant. Since I am childless. L'héritier de ma maison. And the heir of my house. Eliezer de Damas. Is Eliezer of Damascus. Il ajoute. He continues. Tu ne m'as pas donné de descendants. You have not given me offspring. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. The slave born in my house will be my heir. Mais l'Éternel lui adressa la parole, il dit. But the word of the Lord came to him. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. This one will not be your heir. Mais
bien celui qui sortira de tes entrailles he sera said, ton héritier. One who comes from your own body will be your heir. Verset 5. Verse 5. Il amena dehors et il dit. He took him outside and said, contemple donc le ciel. Look at the sky. Et compte les étoiles. And count the stars. Si tu peux le compter. If you are able to count them. Il ajouta. Then he said to him, telle sera ta postérité. Your offspring will be that Abraham numerous. Crut en l'Éternel. Abraham believed the Lord. Qui lui compta comme juste. And he credited that it to him as righteousness. Dit, il y confiance à l'Éternel. In other versions, they say he trusted in the Lord. Et la justice lui fit imputer. And righteousness was credited est-ce to him. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la Can parole? Can someone clap for the word of God? J'aime le mot qui dit au premier verset I après love the word ces événements. That says in the first verse after these events. J'aime ça. I love it. Le premier verset dit après ces événements. The first verse says after these events. Dieu apparaît à Abraham en vision. God appeared to Abraham in a vision. Il lui dit sois sans crainte. He told him do not fear. Je suis ton bouclier. I am your shield. Pourquoi Dieu est apparu à Abraham? Why did God appear to Abraham? Pasteur Sony, Pastor Abraham Sony, avait un problème. Abraham had a problem. Lorsque vous lisez au-dessus du verset, le verset 14, when you read from verse 14, il venait d'un grand combat. He was coming from a great battle. Pour aller libérer Lot. To go and release Lot. Et lorsqu'il est allé combattre ce combat-là, when he went to fight that battle, il a pris 318. He took 318 des serviteurs qui sont plus puissants of the most powerful servants pour qu'il aille combattre for him to go and fight. Et lorsqu'il a combattu and when he fought, il a remporté la victoire he won. Il est rentré avec beaucoup de richesses he came back with a lot of wealth. Et il y a eu celui qu'on appelle Melchisedek. And there was the one called Melchisedek. Qui est venu le rencontrer. Who came to meet him? Abraham lui a donné la dîme de Abraham tout. Abraham gave him the tithe of everything. Et Melchisedek, and Melchisedek lui a donné le pain et le vin. Gave him bread and wine. Et après ce temps-là, and after that time, la Bible déclare, the Bible declares, après ces événements, after these events, Dieu apparaît, God appeared à Abraham, to Abraham dans une vision, in a vision, et lui a dit, and told je suis ton bouclier. I am your shield. Ne crains pas. Do not be afraid. Ta récompense sera grande. Your reward will be great. Quelqu'un peut dire amen très bien. Can someone say amen very well? Suivez-moi très bien. Follow me very well. Il venait d'un combat. He was coming from a battle. Là où il a utilisé. Where he used 318 combattants. 318 fighters. Je veux que vous le sachiez. And I want you to know. Il venait d'un grand combat. He was coming from a great battle. Après qu'il a remporté le combat. After he won the battle. Il a donné sa dîme. He gave his tithe. On lui a donné le pain et le vin. They gave him bread and wine. Et Melchisedek l'a béni. And Melchisedek blessed him. Après ces événements. After those events. Dieu lui apparaît. God appeared to lui dit ne crains pas. And told him do not fear. Pourquoi Abraham devait craindre? Why should Abraham fear? Il devait craindre quoi? What was this c'est lui qui a emporté la victoire. He is the one who conquered. C'est lui qui a amener le butin. He is the one who brought c'est the lui qui a été béni. He is the one who was blessed. Pourquoi il devait craindre? Why was he supposed to fear? Dieu ne peut pas apparaître à quelqu'un. God cannot appear to someone. Dire à quelqu'un ne crains pas. And tell someone do not fear. Malgré toutes ses expériences. It means regardless all those il avait toujours la crainte dans son cœur. He still had fear in his heart. J'aimerais vous enseigner encore. I'd like to teach you again. La crainte. Fear. C'est l'opposé de la foi. Is opposite to faith. Ce que tu crains. What you fear. Ce que tu redoutes. What you fear, c'est ce qui va t'atteindre. Is what will reach you. Malgré la victoire, regardless the victory, malgré la richesse, regardless the wealth, il avait toujours peur. He was still afraid. Il avait peur de quoi? What was he afraid of? Je vous démontre le premier principe. I show you the first principle. Vous devez savoir. You must know. À chaque fois Sony, every time. À chaque fois Antoine, every time. Vous venez de grandes batailles spirituelles. Every time when you come from great spiritual battles. Même si vous avez la richesse, even if you have wealth. Si vous avez été béni, even if you were blessed. Il y a une crainte. There is a fear qui s'installe naturellement. That is installed parce naturally. Tout combat spirituel. Because every spiritual battle amène un épuisement. Bring tiredness. Et cet épuisement and that tiredness nous fait oublier les promesses de Dieu. Makes us forget the et promises ça nous fait of God. Qu'on est porteur de la bénédiction. And makes us forget that we are carriers of the blessing. Derrière chaque combat
combat spirituel, which is why behind every spiritual il battle, faut une restauration. You need a restoration. Parce que l'homme spirituel, because the spiritual man, se fatigue, gets tired, et la foi, and faith, commence à être mis en doute, begins to be placed in doubt. Il y a des fois le diable, there are sometimes the devil, crée plusieurs fronts de combat, creates many times battles. Lorsque vous commencez à vous battre, so that when you start fighting, à un certain moment, at a certain moment, même si vous êtes vainqueur, even if you are the winner, vous commencerez à douter, but you start doubting des promesses de Dieu, the promises of God. Et je suis venu à quelqu'un, and I came to tell là someone, où tu étais fatigué, where you were tired, là où tu as beaucoup combattu, where you fought, là où tu es épuisé, where you are tired, ce soir, tonight, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. May the Lord restore you in the name of Jesus. Celui qui dit trois fois amen, the one who says three times amen, le Seigneur est en train de te restaurer. The Lord is restoring you. Je prophétise encore, I prophesy again, que les anglophones m'entendent très bien. Let the English speakers hear. Dans le combat de ta vie, in the battle of your life, dans le combat depuis l'année passée, in the battle since last year, dans le combat qui t'ont épuisé, in the battles that made you tired, pendant que je prêche, as I am preaching, reçois la restauration, receive the restoration in the name of Jesus. Karega sunde yaka. Dieu me dit, God is telling me, il est en train de fortifier plusieurs personnes, he is strengthening many people here. Dans le combat de ta famille, in the battle of your family, là où tu es, where you are, tu t'es battu beaucoup, you fought a lot. Dans le combat de ta famille, in the battle of prends l'avion, take the plane, va à Pretoria, go to Pretoria, parle de ma part, speak on my part, c'est Dieu qui m'entend, that God here, aujourd'hui même, today, tu reçois une onction, you receive an anointing, tu vas amener la promesse, that you bring à s'accomplir, to be accomplished, je vois t'accoucher, I see you giving birth, tu vas accoucher, you will give birth, la promesse de Dieu, the promise of God, ça durera longtemps, it lasts for long, la saison est là, the season is here, et celui qui dit trois fois, the one who says three times, reçois l'onction, you see the anointing, c'est lui qui dit amen, the one who says amen, Reçois l'onction. He presents the room to us. Nous étions contents. We were happy. On était contents. We were happy. Lorsqu'un homme de Dieu, when a man of God, est bien reçu, is well received, est bien nourri, is well fed, donc son est réactivé aussi. The anointing is also réactivated. Let them alert to you. J'ai senti. I felt. Maman Abigail. Maman Abigail. Commencé à parler en langue. Started to speak in tongues. Il a regardé Sony. She looked at Sony. Il a dit à Sony. She said to Sony. Ainsi dit l'Éternel. Thus says the Lord. Cette année, this year, ta vie est restaurée. Your life is restored. L'église est restaurée. The church is restored. Ainsi dit l'Éternel. Thus says the Lord. Le bâtiment qui est à côté. The building that la is next to you. Qui est à côté. The yard that is next to you. L'Éternel. Je vous le donne. I will give le donne. I give you. Je vous le donne. I give you. Je vous le donne. I give you. Je vous le donne. I give you. Je regarde maman Abigail. I look at Mama Abigail. Je regarde maman Abigail. I look at Mama Abigail. Je lui dis encore. God says again. Dis à mon serviteur. Say to my servant. Dis à mon serviteur. Say to my servant. La dette. The debt. Sera payée. Will be paid. Tout l'argent qui reste. All the money that sera payé. It will be paid. Je vis soli. I saw soli. Se redresser. Strengthened. Il était content. He was happy. Il était content. He was happy. Parce que Dieu. Because God. Après des grands combats. After the great le Seigneur apparaît. The Lord speaks. Il ne craint pas. He says to love fear. Enlève le doute. Remove doubt. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. I am your shield. Je suis venu à quelqu'un. I came to tell someone. Ne crains pas le lendemain. Do not fear about tomorrow. Ne craignez pas le lendemain. Don't fear about tomorrow. Pasteur de Johannesburg. Pastor from Johannesburg. Pasteur de Mafeking. Pastor from Mafeking. Pasteur de Soweto. Pastor from Soweto. Pasteur de Pretoria. Pastor from Pretoria. Ne craignez pas le lendemain. Do not fear about tomorrow. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Le Seigneur c'est un bouclier. The Lord is a shield. Écoutez-moi bien, Emina. Listen to me very well. Lorsqu'on dit bouclier, when they say shield, le Seigneur parlait, the Lord was speaking, du terme bouclier, about the term shield, comme foi, as faith. Il y a quatre formes de foi. There are four types of faith. Il y a la foi du salut. There's the faith of salvation.
La deuxième dimension. The second dimension. Il y a la foi comme fruit de l'esprit. There is faith as a fruit of the spirit. Parfois on dit la bonté. Sometimes they say goodness. Troisième dimension. Third dimension. C'est le don de la foi. Is the gift of faith. La foi comme don. Faith as a gift. Quatrième dimension. Fourth dimension. C'est Paul qui écrivait. It is Paul who was writing. Il ne prenait pas dessus tout. He said take above all. Le de la foi. The shield of faith. Alors que Dieu disait à Abraham. As God was telling him. Je suis ton bouclier. I am your shield. Il voulait lui dire. He wanted to tell him. Chaque fois qu'il y a des It is an action of war. Dieu veut vous dire. God wants to tell you. Tous les combats. All the battles. Que vous connaissez. That you know. À Pretoria. In Pretoria. À Mafikeng. In Mafikeng. À Johannesburg. In Johannesburg. Je suis votre bouclier. I am your shield. Moi-même je me tiendrai devant. I suffer. Vous vous serez derrière. You will be behind. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Lorsqu'on va tirer. When they will throw. Toucher à l'Éternel. If he touch the Lord. L'Éternel est ton bouclier. N'ayez pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur de la sorcellerie. Don't be afraid of witchcraft. Et maman Abigail a parlé. And Mama Abigail spoke. J'ai mis l'enregistreur. I put the recorder. I told Sony. On peut prendre l'avion maintenant. We can take the plane now. Rentrer au Congo. Go back to Congo. Dieu a tout dit. God has said everything. Dieu a tout dit. God has said everything. Tu peux seulement venir à l'église. I just come to tu commences à dire ce que Dieu a dit. And start saying what God said. Et c'est pourquoi écoutez-moi très bien. That is why listen to me very well. Vous ne serez pas béni. You will not be blessed. À la fin de ce travail. At the end of this work. Vous êtes béni. You are blessed. Après, avant ce travail. Before this work. Avant la fin de ce travail. Before the end of this work. Déjà béni. You are already blessed. Recevez la grâce. Nous dormons bien. We sleep well. Nous mangeons bien. We eat well. Nous roulons bien. We recevez la grâce. Sakira, Ebrekesinde, Mayeboki Aboshenda, Zabreka Miabokende. Les doutes commençaient à envahir son cœur. That was filling his heart. Il venait d'un grand combat. He came from a great battle. Je tiens à vous informer. I want to inform you. Le nombre de combattants. The number of fighters. Qui sont allés combattre avec Abraham. That went to fight with Abraham. Dans Genèse 14. In Genesis 14. Ils étaient à 318. They were 318. 318. 318. C'est la valeur. Is the value. D'un nom dans la Bible. Of a name in the Bible. Qui signifie Eliezer. Which means Eliezer. Lorsqu'il disait à Dieu, when he was saying to je God, m'en vais sans enfant, I'm going without child, l'héritier de ma maison, the heir of my house, c'est Eliezer. Is Eliezer. 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 La valeur de son the nom, value of his name, c'est 318. Is 318. À notre terme, in other words, pendant que Abraham allait combattre, while Abraham was going to fight, pas 300 personnes. Those 300 people qui ont combattu pour lui. It's only 300 people who fought for him. Une seule personne. It is one person. En qui il y avait la force. In whom there was the strength. 300 personnes. Of 318 personnes. 318 people qui combattaient pour lui. Who were fighting for him. Parfois on n'a pas besoin de plusieurs personnes. Faith doesn't need many people. Pour faire certaines choses to do certain things. Parfois une seule personne. Sometimes only one person. Que 1000 personnes. And do what a thousand people can do. I prophesy. Dans cette église. In this church. L'église est ma fille. Une seule personne. Only one person. Avait cette capacité. Had that capacity. Et il était le serviteur. And he was the servant d'Abraham. Of Abraham.
Le mot, the word, Eliezer, Eliezer, a deux racines. Has two roots. Le premier, the first, c'est Eli, is Eli. Le deuxième, the second, c'est Ezer, is Ezer. Eli, Eli, et Ezer, and Ezer. On les met ensemble. They put it together. Ça donne Eliezer. It gives Eliezer. Eli c'est qui? Eli is c'est un prophète. It's a prophet. Ezer signifie. Ezer means la force. Faith. Eliezer, Eliezer, c'est celui dont is the one of le Seigneur a secouru. The one rescued. C'est celui dont it is the le one Seigneur a donné la force. That the Lord gave strength to. Karega sunde yaka. Si Abraham, if Abraham avait besoin needed de Eliezer, Eliezer pour remporter le combat, to win the battle, ça peut signifier aussi it also means s'il avait besoin if he needed de la force prophétique, the prophetic strength pour remporter le combat, to win the battle, il y a un deuxième mot dans la Bible, there's a second word in qui the Bible, signifie Ebenezer, which means Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, c'est une pierre. It's a stone qui a deux mots. That has two words. Eben, Eben, et Ezer. And Ezer. Eli, Eli, et Ezer. And Ezer. Eben, Eben, et Ezer. And Ezer. Eli, Eli, un serviteur. A servant. Eben, Eben, c'est un fils. Is a son. Wow. Abraham, Abraham a été secouru, was rescued par un serviteur, by a servant qui était un secours, who was a rescue. C'est lui qui lui a permis, and the one who allowed d'aller him marier pour Isaac, to go and marry for lui Isaac, qui l'a permis, is the one d'aller combattre, who allowed to become rich, for him to become et rich. Abraham, so that Abraham, aujourd'hui, today, c'est moi et toi, is you and me. Nous ne sommes pas as we are l'ancienne alliance, is the old covenant, un serviteur, the servant, notre secours. Nous sommes rescués dans une nouvelle alliance. Eben, Eben, c'est Jésus. Jesus, et Ezer, c'est le secours. Is the rescue. Nous, nous avons besoin de la pierre angulaire pour secourir dans le combat. Il est battu. On a besoin de la pierre angulaire pour secourir dans le choix du mariage. Il est chargé de dire à quelqu'un si Eliezer a porté 300 carry 300 18 personnes and 18 people. Lui Jésus, him, Jesus, qui est le fils de Dieu, who is the son of a God, porté 26 personnes. He carried 26 le chiffre 26, and number 26 est le chiffre du Créateur. Is the number je veux dire à quelqu'un, I want to tell la someone, force de l'Éternel, the strength of the Lord, permettra de remporter le combat de ta vie. C'est lui qui dit amen. The one who says amen. Et Dieu combatte pour toi. God fight for you. Et Dieu restaure. God restore. Dieu combatte dans ta vie. C'est pourquoi Abraham, that is why Abraham n'avait pas besoin did not need d'Eliezer. Eliezer. Il avait besoin he needed de Isaac. Isaac. C'est Isaac, it is Isaac qui était son secours. Who was his parce que de Isaac, because Isaac est sorti Jacob, came from de Jacob, and est sorti Judas, came Judah, de Judas, and Judah est sorti David, came David, de David, and David est sorti Jésus, came Jesus. Ça signifie à notre it means in other words, le secours d'Abraham, the rescue of Abraham, pas Eliezer. It was not Eliezer. The rescue of Abraham. Qui devait sortir. Is what was supposed to come from it. I prophesy. Écoute-moi très bien. Listen to me very well. Ta vie à in toi, your life. Les enfants que tu auras. The children that you have. Bénis maintenant. I bless them now. Tu auras des enfants. You will have children. Qui te porteront à la vie. Who will carry you? Tu auras des enfants. You will have children. Qui te donneront des gouvernants. Who will become governors. Qui te donneront des présidents. Who will become presidents. Qui seront ton appui. Who will be your support. Je précise. I prophesy. Tu auras des enfants spirituels. You will have spiritual children. Qui seront tes appuis. Who will be your support? Dis amen bien, je vais. Say amen very well. Il y a des doutes. There is doubt. Lorsqu'on marche avec Dieu. When we walk with God. À un certain moment. At a certain moment. On se pose des questions. We ask ourselves the question. C'est pourquoi la foi. That is why faith. Comme bouclier. As a shield. C'est une grande dimension. Is a great dimension. Il dit Antoine Abraham. And I said to you, Abraham. Tu es où? Where are you? Tu es dans la maison. You are in your house. Sors de ta maison. Go out of your house. Le Seigneur avait compris. The Lord understood. Il avait un problème. That there was a problem. Dans la croissance de sa foi. In the growth of his faith.
Il avait un problème. He had a problem. Le Seigneur a voulu faire croître sa foi. The Lord wanted to grow his faith. Malgré qu'il a pu au chapitre 12. Regardless in chapter 12. Chapitre 13. Chapter 13. Chapitre 14. Chapter 14. Abraham n'était pas convaincu. Abraham was not convinced. Il connaissait le Dieu qui donne la victoire dans he la terre. He knew God gives victory. Mais il ne connaissait pas le Dieu qui donne la victoire. But he didn't know the God who gives victory in children. Il connaissait le Dieu qui donnait la richesse. He knew the God who gave wealth. Il connaissait pas le Dieu qui pouvait donner les enfants. But he didn't know the God who gives children. De ta vie. There is a domain in your life. Là où tu te poses beaucoup de questions. Where you ask yourself a lot of questions. Celui qui t'a donné une femme. Is who is the one who gave the wife. He's the one who gave the children. Il y a un domaine là où tu veux expérimenter comme Dieu. Where you want to experiment God. Dieu me dit aujourd'hui. And God is saying now. Va se glorifier dans ce domaine. He will glorify himself in that domain. Tu sauras que je suis un homme de Dieu. You will know that I am a man of God. Tu sauras que je suis un homme de Dieu. You will know I am a man of God. Il y a plusieurs domaines tu l'as expérimenté. In many domains you experienced. Là où tu as but there is one domain. Aujourd'hui, today, si tu crois dans ce domaine-là, tu vas voir la gloire. You will see. Tu commençais même à douter. You are even mais starting si to doubt. But if you believe today, tu remets ta foi. You put back tu your sors faith. De ta maison. You come out of tu your house. You raise your eyes. Les you look at the stars. Et il te dit, and he tells quelle you, sera ta postérité. That will be your offspring. Tu vois. And you believe. Tu verras. You will see. Mais la Bible dit, sors. And the Bible says, come out de la maison. Come out of the house. Sors de la maison. Come out of the house. Sors dans les quatre coins come du come out from the four walls. Tu es limité à là. You are limited. Tu es limité. You are limited. Tu es limité. You are limited. La vision ne va pas loin. La vision ne va pas loin. Go out of your house. Come out of your house. L'espace. Look at the space. Comme les étoiles. Comme les stars. I came to serve someone. Come out of your house. Sors de ta maison. Come out of your house. Dieu n'est pas petit. God is not little. Dieu n'est pas petit. God is not little. Dieu n'est pas petit. God is not little. Il n'est même pas limité par toi. He is not limited by you. Il n'est même pas tes péchés. He is not your sin. Il n'est même pas les chaussées de ta famille. Not even the riches of your family. Je te prêche un Dieu puissant. I'm preaching the power of God. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Rien n'est impossible à l'homme. Everything is possible to man. Rien n'est impossible to God. Dieu est capable. God is able. De changer ta vie. To change your life. Dieu est capable. God is able. De changer ta destinée. To change your destiny. Dieu est capable. God is able. De te guérir. To heal you. Même ce corona ici. Even this corona, tu es capable. God is able. De l'enlever dans ta vie. To remove it from your life. De l'enlever dans ce pays. To remove it from this country. Et laisse-moi te dire. And let me tell you. La fille du sud que vous voyez. South Africa that you see. Dieu m'a dit. God told me. Pendant que tu ailles prêcher. As you are going to preach. Annonce-le. Announce la fille du sud que vous voyez. South Africa that you see. Ne va pas se détruire. Will not be destroyed. La fille du sud que South vous voyez. South Africa that you see. Dieu va restaurer ce pays. God will restore this country. Dieu va restaurer ce pays. God will restore this country. Dieu va restaurer ce pays. God will restore this country. Il y a beaucoup de forces. Many spies that want to destroy this nation. South Africa ne sera pas détruite. Will not be destroyed. Sony, lève-toi. Tiens le drapeau. Sony, rise up. Tiens le drapeau de l'Afrique du Sud. Hold the flag of South Africa. Tenez le drapeau. Hold the flag. Tenez le drapeau. Hold the flag. Vous voyez ce drapeau là? You see that flag? Vous voyez ce pays là? You see that country? Dieu vous l'a donné. God gave it to you. Et Dieu vous a établi. And God established you. Il vous a établi. He established you. Tenez ce drapeau là. Hold that flag. Tenez ça seulement. Hold it. Just hold it. Tenez ça. Just hold it. Tirez ça comme ça. Draw it like this. Ça sort par rapport aux autres drapeaux. Let it come out. Vous voyez tel qu'ils l'ont tenu. Je suis un serviteur de Dieu. I am a servant of God. Je ne vous raconterai pas les choses. I'm not telling you stories. Cette nation, this nation, le diable veut détruire cette nation. The devil wants to destroy. Mais Dieu m'a dit, but God told il me, va restaurer cette nation. He will restore this nation. L'ennemi ne détruira pas cette nation. The enemy will not destroy this nation. Je dis la vérité. I'm telling you the truth. Ni le corona, ni la corona, ni la politique, no politics, ni la malédiction, no curses. Tout ce qui est en train d'être fait, everything that is happening, ne détruira pas cette nation. They will not destroy this nation. Cette nation est bénie par this Dieu. This nation is blessed. Le sang a coulé dans cette blood nation. Has flowed in this nation. Le peuple sud-africain a suffered. Dieu m'a dit, God told ce peuple ne souffrira plus. These people will no longer suffer. Ce peuple ne souffrira plus. These people will no longer comme suffer. Je vous l'ai dit, as I tell you, cette nation est restaurée. This nation is restored. Tant que les pasteurs ont tenu le drapeau, as the pastors ils ont été établis. They were established. Au travers leurs églises, through their churches, cette nation est restaurée. This nation is restored. C'est lui qui est restauré. I say c'est lui qui dit trois fois. Amen. Amen. C'est lui qui a c'est lui qui dit amen encore. Amen again. Que cette nation soit restaurée. Restaurée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour le Lord. Pasteur,
Pastor, je vous prophétise. I prophesy to you. Je vous ai engendré. I gave birth to you. Dans la douleur. In pain. Je connais l'histoire de vous tous. I know the story of all of you. Là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Where you got today? Sony. Antoine. Tu dormais avec moi. You were sleeping with sur me. Un petit lit. On a little bed. Sony. Tu dormais dans mon bureau. You were sleeping in my office. C'est un faux, n'en parlons même pas. Don't even speak. Tu es venu. You came. Tu ne connaissais rien. You didn't know anything. De la parole de Dieu. About the word of God. Pendant que je suis ici devant. As I am here. Je vous le dis. I tell you. Au nom du Seigneur qui in the name of the Lord. Cette nation. This nation. Ne vous vomira jamais. Will never vomit you. Dans cette nation. In this nation. Vous construirez des grandes églises. You will build big churches. Des méga church. Mega churches. Dans cette nation. In this church. In this nation. Nation que Dieu vous a dit. It's a nation God gave. Ces peuples. These people. C'est un peuple que Dieu vous a dit. It's a people that God gave. Vous aurez la résidence. And you will have the residence. Au-delà de la résidence, même la nationalité. Above the residence, even the nationality. Vous le donnera. The Lord will give you. Pour être une bénédiction to pour be a people. Blessing for these people. Ce que vous déclarerez. What you will declare. Le Seigneur agréera. The Lord will agree. Et Dieu vous donne cette nation. And God is giving you this nation. Aidez ces peuples. These people help them. Aidez ces peuples. Help these people. Ce n'est pas un homme qui vous l'a donné. It is not a man who gave. Soutenez-le. Support them. Jeûnez pour eux. Fast for them. Priez pour ces pays. Pray for this country. Que le Seigneur vous a donné un héritage. That the Lord gave you an inheritance. Alors que je parle. As I am speaking. Les combats que vous avez. The battles that you have. Vient de tomber. As fallen. Vous allez posséder. You will possess. Vous n'allez pas mourir. You will not die. Dans cette nation. In this nation. Quels que soient les esprits de mort. Regardless the spirit of death. On ne vous enterrera pas. They will not reach you. Avant de terminer la mission. Before finishing. Comment vous êtes? As you are, soyez au roi contre les esprits de mort. Soyez au roi contre la pauvreté. Et que le Seigneur vous élève. Et que vous élève davantage. Vous acclamons très fort le Seigneur. Pendant qu'il rentre, nous acclamons le Seigneur. As they are going back, we clap for the Lord. Enlève le doute. Enlève le doute. Remove doubt. Dis à ton voisin, enlève le doute. Tell your neighbor, remove doubt. Crois. Believe. La foi triomphante. The conquering faith. C'est la foi qui n'a pas de limites. Is a faith without limits. Quelqu'un dit amen avant que tu parles. Can someone say amen? Dieu n'est pas un menteur. God is not a liar. Les célibataires vont se marier. Single people will get married. Les maisons liées seront délivrées. Bound houses will be delivered. Les gens qui n'avaient pas du travail, vous avez le travail. People who did not have work, you have work. Ceux-là qui n'avaient pas les papiers, vous aurez les papiers. Those who did not have papers, you have papers. Tu ne vas pas rentrer au pays. You will not go back to the c'est country. Dieu qui t'a amené ici. It is God who brought you tu here. Tu te poses beaucoup de questions. You are asking yourself a lot of questions. La réponse de Dieu. And listen to the answer of God. Il donnera les papiers. He will give you papers. Il travaillera. You will work. Jean 5. 1 John chapter 5. Je commence à terminer. We are finishing. Verset 4. Verse 4. La Bible dit. The Bible says. Parce que. Because. Tout ce qui est né de Dieu. Whatever has been born of God. Triomphe du monde. Conquers the world. Et la victoire. This is the victory. Qui triomphe du monde. That has conquered the world. C'est ta foi. Your faith. Say amen. Dites amen. C'est là la puissance de la foi triomphante. It is the power of the conquering faith. Ne laissez pas l'ennemi détruire votre foi. Don't let the enemy destroy your faith. Ne laisse pas les événements qui te vivent détruire ta foi. Don't let the events you are living destroy your faith. Ne laisse pas ce que tu entends affaiblir ta foi. Don't let what you hear weaken la your faith. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes. The Bible says what is impossible to men est possible à Dieu. Is possible to God. Et la même Bible dit. And the same Bible rien says rien n'est impossible. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. À celui qui croit. To the one who believes. Le temps est arrivé. The time has come. Vous ferez des croisades. You will do crusades. Les paralytiques vont marcher. And the lame will walk. Les aveugles the blind will see. Vous amène à une autre dimension. God is taking you to another dimension. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nothing is impossible to the one who believes. Tu envahis l'impossible lorsque tu crois. You feel the impossible when you believe. Et la Bible dit. And the Bible says. Parce que. Because. Parce que. Because. C'est la raison. It
is the reason. Parce que because tout ce qui est né de Dieu, everything that is born of God, conquers. Je m'arrête à ce niveau-là. I stop at that level. La victoire est à deux niveaux. Victory is at a level. Tu as la victoire. You have victory. Par ta nature. In your nature. Tu as aussi la victoire. You also have victory. Par ta foi. By your faith. Tu as la victoire. You have victory. Par ta nature. By your nature. Tu as aussi la victoire. And you also have victory. Par ta foi. By your faith. Je veux dire en d'autres termes. I want to say in other words. La foi. Faith. Est amplifiée. Is increased. Par ta nature. By your nature. Tout le monde peut croire. Everyone can believe. Les païens peuvent croire. The Gentiles can believe. Les magiciens aussi croient. Magicians also believe. Dans ce qu'ils font. In what they do. Même les sorciers. Even witches. Lorsqu'ils vous maudissent. When they curse you. Ils croient que ça va arriver. They believe it will happen. La foi n'engage pas seulement les chrétiens. Faith does not only engage Christians. La différence c'est que. It means. Et croient. They believe, sans avoir une nouvelle nature. Without having a new nature. Vous croyez, you believe, en ayant une nouvelle nature. By having a new nature. Quelle est la nature que vous avez? What is the nature that you have? Était la parole. At the beginning was the word. La parole était avec Dieu. The word was with God. La parole était Dieu. The word was God. La parole était la vie. The word was life. La vie était la lumière. Life was the light. La lumière est venue dans le monde. The light came in the world. Le monde ne l'a pas reconnu. The world did not la recognize. La lumière est venue parmi le ciel. The light came in the heavens. Le ciel ne l'a pas reconnu. The heavens did not recognize. Tous ceux qui l'ont reconnu. But to all those who receive, ceux qui croient en son nom, to all those who believe in him, to give them the power, de devenir enfant de Dieu, to become children of God, enfant de Dieu, you are a child of God, tu es né en Dieu, because you are born in God, tu es enfant de Dieu, you are a child of God, que tu es born again, because you are born again, le fait d'être born again, the fact of being born again, la foi efficace, makes your faith efficient. Wow. Je donne un exemple. I give an example. Eliezer. Eliezer. C'est un serviteur. He's a servant. Eli. Eli. C'est un serviteur. He's a servant. Moïse. Moses. C'est un serviteur. He's a servant. Moïse. Moses. A servi comme un serviteur. Served as a servant. Dans la maison de Dieu. In the house of Mais God. Mais Jésus. But Jesus. N'a pas servi. Did not serve. D'abord comme serviteur. As a servant. Jésus a servi. Jesus served comme un fils. As a son. La foi. Faith. D'un fils. Of a son. À l'endroit de son père. With regards to his est father. Différent. Is different. De la foi d'un serviteur. From the faith of a à servant. À l'endroit de son maître. Before his master. Posez la question à docteur Sefo. Ask the question. Lorsque Yeshua vient. When Yeshua comes. Il dit papa. He says papa. Achète pour moi la voiture. Buy a car for me. Même si docteur Sefo. Even if Dr. Sefo. N'a pas la capacité. Does not have the ability la voiture, to buy the car. Yeshua aura confiance. Yeshua will trust que son père va le faire. That his father will do. Que son père because est because his father loves il est son père. Because he is his father. Si la servante. If the servant. Qui consomme la maison. That is cleaning the house. Le docteur Sefo. That comes to Dr. Sefo. Sefo. And says to Dr. Sefo. Je viens souvent à pied. I usually walk à pied. La voiture. Buy me a car. Répondez-moi. Answer me. Entre Yeshua. Between Yeshua. Et la dame qui t'en sort. And the woman who came. À qui est-ce qu'on donnera la voiture? To whom will take the car? Qui sera sûr? Who will be sure? Qui aura la voiture? That who will receive the car? Vous êtes né de qui? You, who are you born from? Vous êtes le domestique de Dieu. Are you the domestic workers of God? Vous n'êtes pas serviteur. Are you only servants? Dieu vous a choisi. God chose you. D'abord comme fils. First as sons. Être fils as est plus important. Is more important. Que d'abord serviteur. Than being a servant. Vous êtes d'abord fils. You are first of all sons. Avant d'être serviteur. Before being servant. Votre foi. Your faith. Va produire. Must produce. Beaucoup de fruits. A lot of fruits. C'est pourquoi Eliezer. Which is why Eliezer. Ce n'est pas là où il y avait la foi. Is not the one who had faith. Isaac. But Isaac. Celui qui avait la foi. Is the one who had faith. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Ignorance. Ignorance. De votre identité. Of your identity. Affaiblit votre foi. Weakens your faith. Who are you? Qui êtes-vous? Tu pleures à tout moment. You are crying every time. Tu es fils sans espérance. You are you live without hope. Comme les païens. You are afraid like the Gentiles. Pleure comme tout le monde. You cry like everyone. La maladie est là. The sickness is there. Tu crois aussi que tu vas mourir. You also think you will die. Who are you? Qui êtes-vous? Toi, tu es qui? Who are you? Les autres peuvent pleurer. The others can cry. Ils peuvent se lamenter. They can lament themselves. Toi, tu es qui? But who are you? Connaître ton identité. Know your identity. Ça va forcer ta foi. We strengthen your faith. Tu
es le fils. You are the son. Du Dieu créateur. Of the creating God. Toi, tu es le fils. You are the son. Du Dieu qui a créé toute chose. Of the God who created everything. Toi, tu es un prince. You are a prince. Ton père à toi. Your father. Est le roi des rois. Is the king of kings. Constaté. Notice. Beaucoup n'ont pas dit amen. Many did not say amen. Beaucoup n'ont pas acclamé. Many did not clap. Parce qu'ils sont étonnés. Because they are surprised. Vous n'êtes pas n'importe qui. You are not whosoever. Votre père c'est Dieu. Your father is God. Et le niveau and the level du combat spirituel of the spiritual battle le plus élevé is higher que Satan amène dans la vie d'un homme that Satan brings in the life of a man c'est de l'amener à ignorer qui il est it is to bring him to ignore who he is et surtout lorsqu'il souffre especially when he's suffering Satan t'amène à il dit à Jésus he says to Jesus si tu es fils de Dieu if you are the son of God ordonne command Est-ce qu'il ne savait pas qu'il était fils de Dieu? Didn't he know that he was the son of God? Si vous mangez le fruit, if you eat the fruit, vous deviendrez comme Dieu. You will become like God. Comment on va devenir ce qu'on est déjà? How are we going to become Est-ce what we already are? Que vous êtes de Dieu? Don't you know that you are God? C'est Jésus qui a dit ça. It is Jesus Est-ce who said. Pas que vous êtes de Don't Dieu? You know that you are Est-ce God? Il faut manger pour devenir. Must you eat to become? Ça change. It is a lie. Tu peux souffrir. You can suffer. Tu restes fils de Dieu. But you remain a son of God. Tu cannot battle. Tu restes fils de Dieu. You remain a son of God. Si tu ne reconnais pas ça. If you don't recognize that, tu vas vivre comme n'importe. You will live like whomsoever. Cet enfant prodigue là, that prodigal son, il avait péché. He sinned. Il avait abîmé la richesse. He destroyed the wealth. Il mangeait les histoires des poissons. He was eating the food and the fruit. But one day, il mangeait. He was eating avec les cochons. With the pigs. Un jour, one day, il s'est rendu compte. He realized qu'il était l'enfant de quelqu'un. That he was the son of il someone. A dit ceci. He said this. C'est vrai. It is true. J'ai péché. I sinned. C'est vrai. It is true. J'ai détruit la richesse. I destroyed the world. It is true. Je mange avec le cochon. I am je ne suis pas un cochon. I am not a je suis un père. I have a je me lèverai. I will stand je vais voir mon père. I will go and see my father. Je vais à mon père. I will tell my father. Je péché contre I toi. Sin against you. Moi-même comme ton serviteur. Let me be like a servant. Connais ton identité. Know your identity. Tu n'es pas n'importe qui. You are not just whosoever. C'est là que commence la victoire. That is where victory begins. Satan veut te tromper. Satan wants to lie to you. Pas n'importe qui. You are not whomsoever. Regarde comment est-ce que tu marches. Look at the way you work. Tu dois marcher comme un enfant de Dieu. You must walk like a child of God. You stand up. Tu mets la main dans la poche. You put your hand in the pocket. Et tu commences à marcher. And you begin to walk. Et tu vois quelqu'un. And you see someone. Morning. Good morning. How are you? Comment allez-vous? Who are you? Qui êtes-vous? Who are you? Qui êtes-vous? Who are you? Who are you? Change your mind. Changez votre mentalité. You will change your life. Et vous allez changer votre vie. You are the son. Tu es le fils of living God. Du Dieu vivant. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Dans le jour qui vient ici. In the coming days here. Dieu va te visiter. God will visit you. Comme il a fait avec Abraham. As he did with Abraham. Combat le bon combat de la foi. Fight the good fight of faith. Et si la vie éternelle. Seize eternal life. Paul a dit j'ai combattu le bon combat. Paul said I fought the good fight. J'ai gardé ma foi. I kept my faith. Malgré le combat qu'il y avait. Regardless the battle that was there. J'ai gardé ma foi. I kept my faith. Malgré tes épreuves. Regardless the trials. Garde ta foi. Keep your faith. Et Dieu me dit la vérité. And God is telling me the truth. God is telling me the truth. Garde ta foi. Keep your faith. Garde ta foi. Keep your faith. N'aie pas peur. Don't be afraid. Garde ta foi. Keep your faith. Garde ta foi. Keep your faith. Rien ne va arriver dans ta vie. Nothing will happen in your life. Rien ne va arriver dans ta vie. Nothing will happen in your life. La délivrance commence déjà. The deliverance already started. Dieu m'a dit. And God told me. À la fin de ce travail. At the end of this work. Plusieurs d'entre vous. Many among you. Déjà dimanche matin. Already Sunday morning. Vous allez vivre la visitation. You will lead the visitation. Vous allez vivre la visitation. C'est lui qui est violent. The one is violent. Avant de sortir ici, before coming out of here, on t'appellera. They will call you. Il te dira que ta foi a produit. Your faith has produced. Ta foi a produit. Your faith has produced. Ta foi a produit. Your faith has produced. Ne crains pas. Confie. Ta récompense est grande. In the post.
il est faible, ta récompense est grande. Your reward is great. Et quand tu as souffert, you have suffered. Et quand tu as pleuré, you have cried. Le Seigneur va t'élever. The Lord will lift you up. Je vois quelqu'un ici. I see somebody here. Sa présence ici. He is present here. Toute sa famille. I see his whole family. Il a ouvert une porte. He opened the door. Je vois sa famille en train de passer. I see his family passing. Sa famille en train de passer. His family is passing. Le Seigneur m'a dit, the Lord told me, tu es la porte de ta famille. You are the door. Tu es la porte de ta famille. You are the door. Tu es la porte de ta famille. You are the door. Tu es la porte de ta famille. You are the door. Tu es la porte de ta famille. You are the door. J'entendais une voix qui disait, une voix qui disait, Marcel, 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 Marcel. Il y a Marcel ici, il y en a qui. Is there a Marcel here? Okito, Okito, Okito. C'est qui? Avance ici. Come forward. Marcel Okito. Marcel Okito. Et je vois le Seigneur amener un vent, un vent. I see the Lord bringing a wind, un vent de délivrance et de restauration. A wind of deliverance and restoration. Je vois sur ton front écrit Okito, toi. I see on your red the road Okito. C'est ton père. It's your father. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you clap for the Lord? Est-ce que moi je connais ton père? Je connais ton père. Did I meet your father? J'ai déjà vu ton père. Have I seen your father? Dieu me dit. God is telling me. Tel que tu es là. As you are. Il y a un vent de délivrance dans ta famille. There's a wind of deliverance in your family. La porte que là que j'ai vu. The door that I saw. Il y a quelqu'un ici. God said there's someone here. Il est en train d'ouvrir une porte. He is opening a door. La délivrance est entrée dans ta famille. Deliverance is entering in his family. Oh, aussi pendant que tu entends. You too, as you are listening. Il a mis tes pieds ici. You place your feet here. La porte est en train de s'ouvrir. The door is open. Celui qui dit trois fois amen. The one who says three times amen. La porte est open. The door opens. Open. S'ouvre. Open. S'ouvre. Opens. Avec un soudain. Merci Jésus. Thank you Jesus. Levez-la, passez Sony. Pastor Sony. Ta fille ici. Your daughter. Dieu m'a dit. God told me. C'est lui qui a voulu. The one who wanted. Qui se marie à un serviteur. She's the one. He's the one who wanted her to get married to a servant. Moi je ne sais pas. Me I don't know. C'est Dieu qui a voulu. It is God who wanted. Qui se marie à un serviteur. That she may be married to a servant. Et c'est au travers. And it's true. Cette église. This church. Que Dieu va les bénir. Il est that God will bless them. Son mari est où? Where is her husband? Son mari est où? The husband. Il est là. Est-ce qu'on peut he's acclamer there. Le can Seigneur? We clap for the Lord? Mais toi, ta femme passe, toi, tu n'es pas là. Dieu va vous bénir. God will bless you. Et je vois une élévation dans ta vie. And I see elevation in your life. Je vois une élévation. I see elevation. Même une restauration dans le travail. Even restoration in work. Et le Seigneur m'a dit de te poser d'abord la question. And dis-moi, the Lord is telling me to ask you the je question. Je vois on a écrit Congolo. Congolo c'est qui? In your place the word Congolo. C'est toi Congolo. It's you Congolo. Est-ce qu'on peut acclamer le can Seigneur? Can we clap for the Lord? Le Seigneur va t'élever. The Lord will elevate you. Va t'élever. He will elevate va you. Va te restaurer. Because he knows you. Monter. I see you rising and rising. Je veux dire à tous ceux-là qui sont ici. I want to tell all those who are here. Cette échelle-là. I see that ladder. Il va monter. He will rise. Vous allez aussi monter. And he will also rise. Aussi monter. He will also rise. Aussi monter. He will also rise. Vous allez aussi. He will also rise. Vous allez aussi monter. He will also rise. Montez. Rise. Reçois-le. Receive. Reçois-le. Receive. Reçois cette puissance. Receive that power. Karaka sunde. Ebraka sinde yaka. Zubre. Meyebo shinde. Zabro kesinde, maide kenda, zabro kesi, maide kende. Pendant que Dieu est en train de le toucher, he's touching him. Je vois aussi ceux-là qui sont dans la salle. I also see le those Seigneur est en train de lever quelqu'un. The Lord is elevating someone. Et même une femme. There is a woman. Donnez le travail. He is giving a un work. Homme. A man. Le Seigneur le touche. The Lord is touching him. Le Seigneur le touche. The Lord is touching him. Le touche. He is touching him. Le touche. He is touching him. Le touche. He is touching him. Il restaure les vies. He is restoring their lives. Ne doute pas, crois. Don't doubt, believe. Ne doute pas, crois. Don't doubt, believe. Lève tes mains. Raise up your hands. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Lève ta main. Raise up your hands. Je sens l'onction de Dieu là. I feel the anointing of God here. Dieu opère au travers ta foi. God is working through your faith. J'ai expliqué beaucoup de choses. I explained many things. Dieu opère au travers ta foi. God is working through your faith. Lève ta main. Raise up your hands.
Là où tu es, and where you are, il y a des situations, there are situations qui voulaient te décourager, that want to discourage you. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, there are situations happening in your life. Tu poses beaucoup de questions. You ask yourself lots of questions. Des choses qui arrivent dans ton ministère. There are things that happen in your ministry. And you ask yourself lots of questions. Là où tu es, where you are, commence à taper tes mains. Begin to clap your hands. Dieu est ton bouclier. God is making for you. Commence à taper tes mains. Begin to clap your hands. Commence à prier. Begin to pray. 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 La foi triomphante. The conquering faith. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Élève ta main. Elevate your hand. Demande à Dieu. Ask God. D'opérer dans ta vie. To work in your life. D'opérer dans ta vie. To work in your life. De restaurer ta vie. To restore your life. Là où tu avais des doutes. Where there was doubts. Lève ta main. Raise up your hands. Ta main levée. Raise up your hands. Il a dit sort. He said go out. Regarde. Look. Il a élargi sa foi. He enlarged his faith. En hébreu le terme utilisé, il a eu confiance en Dieu. In Hebrew the term that was used is he trusted God. C'est emuna. It's emuna. Signifie un bouclier. Which means a shield. Je vais dire à quelqu'un. I want to tell someone. À l'instant où il a fait confiance en Dieu. The moment where he trusted God. C'est l'instant où il a eu Isaac. Is the moment where he had Isaac. Même si après plusieurs chapitres. Even if after many chapters. Isaac est venu. Isaac came. Mais c'est à cet instant-là. But it was at that moment. Que Dieu l'a déclaré juste. That God declared him righteous. Sans la foi. Without faith. Il est impossible. It is impossible. De lui être agréable. To be pleasing. Deux fois tu ne dors pas. Sometimes you don't sleep. Réfléchis beaucoup. You think a lot. Réfléchis pas. Don't think. Crois. Believe. Ta main levée. Raise up your hands. Sors. Come out. Élargis ta vision. Enlarge your vision. Non, main levée. Le Seigneur me parle. We raise up our hands. The Lord is speaking. Levez-le. Ma soeur, viens. Come. Viens. Come. Vous êtes notre échantillon. You are our sample. Dieu me parle. God is speaking to me. Regarde-moi. Look at me. C'est votre visitation. It's your visitation. Look at me. Elle est tellement remplie. She's so filled. Levez-la, levez-la. Lift her up. Seigneur, donne-la la force. Lord, give her the strength. Lève-toi. Rise up. Wow, elle est tellement remplie. Vous la laissez. She's so filled. Leave her. Elle va se lever. She's going to stand up herself. Le Seigneur continue à me parler. The Lord continues speaking Frère, to me. Brother. C'est toi, Congolo. You are Congolo. Tu connais quelqu'un qui répond au nom de Chilombo? Do you know someone who answers the name of Chilombo? Kalombo. Kalombo. Kalombo c'est qui? Kalombo is who? C'est ton père. It's your father. Acclamer le Seigneur? Can we clap for the Lord? Toi tel que tu es là. You as you are. Tu vas introduire. You will introduce. Ta famille. Your family. Dans la restauration. In the restoration. Matériel et financier. Materially and financially. Moi je connais pas ton père. I don't know your father. Et Dieu m'a dit de te le dire. But God told me to tell you. Et plusieurs qui sont ici. And many who are here. Je vois les portes s'ouvrir. I see doors opening. En train de faire entrer et vos enfants. Making your children enter. Et vos petits frères. Your younger et brothers. Vos grands frères. Your elder brothers. Je te montre que Dieu est ici. I'm showing you that God is here. That is why I'm doing all these demonstrations. Tu ne sortiras pas. You who entered, you will not come out the same. You will go high, high, high. Vous allez partir en haut. Cette année, this year, reçois la provision. Receive the provision. Saisis cela par le Seize Seize it. Je suis encore avec toi. I'm still with you. Je vois à côté de toi. I see next to you. Quelqu'un qui était là. Someone who was there. Je croyais même que c'était ma femme. I thought it was even my wife. Qui priait pour toi. Who was praying for you. Mais le Seigneur m'a dit ce n'est pas ma femme. But the Lord told me it's not my wife. Parce que son nom c'est Chibanda. Because her name is Chibanda. Le nom de mon épouse c'est Chibanda. The name of my wife is Chibanda. Chibanda. But I see next to Chibanda. Who is Chibanda? Ah, it was the pastor from the country where I was. Là où tu priais. It was the Est-ce pastor from where you were. Can we clap for the Lord? Tu vois ce pasteur là? You see that pastor? Il y a un projet d'empoisonnement contre lui. There's a the plan of imprisonment against him. Ils veulent l'empoisonner. They want to imprison him. Pardon?
Le Seigneur te l'avait montré il y a 2 ans. The Lord showed you 2 years ago. Can we clap for the Lord? Par ta prière. By your prayer. Le Seigneur va anéantir encore ses projets. The Lord will destroy that plan. Par ta prière. By your prayer. Le Seigneur va le soutenir. The Lord will support him. Dit que l'évêque. Tell him that the bishop said. Le Seigneur. And the Lord. Est en train de lui donner la victoire. He's giving him victory. Le Seigneur. The Lord. Est en train de carter ce plan là. He's destroying that plan. Tu es là. You too is right here. Il avait un plan de mort. He's got a plan of death. De ta vie. Against your life. Contre le corona. Whether corona. Contre les poisons. Whether poisons. Contre les accidents. Whether accidents. Contre les accidents. She's no longer under the anointing. Lift her up. Ma fille. My daughter. Ce n'est pas encore fini. Je veux t'abonder d'onction. I want to fill you with anointing. Vous êtes notre chanteur. Je veux vous pomper. You are my samples. I will pump you. Votre jour. Today is your day. Ma fille. My daughter. Pendant que tu étais à terre. As you were on the ground. J'entends Salumu, Salumu. I hear Salumu, Salumu. Salumu, c'est qui? Who is Salumu? Donnez-lui le micro. Là où j'ai grandi, c'était chez mon oncle paternel. Oui. Maintenant, mon oncle paternel avait 2 femmes. Oui. La deuxième femme là avait les enfants ailleurs. Oui. Maintenant, c'était, je crois, le deuxième. Oui. Il s'appelait Salomon. Le deuxième de ses enfants. Oui. Il s'appelait Salomon. Oui. Et tel que tu es là, le fait que tu as mis le pied ici, et le Basaloumou, et ses mamans, au travers de toi, sont en train de franchir cette porte-là. Ils reçoivent aussi la délivrance. Reçois encore l'onction pour eux. Reçois encore l'onction pour eux. Reçois encore l'onction pour eux. Recevez. Lève ta main là où tu es. Le Seigneur te visite maintenant. Il te visite maintenant. Localise ceux-là qui vont recevoir non pas la grâce, une double portion de la grâce. Levez les mains. Ayem le Fada, tu vas recevoir au fond de la salle. Je vois le Seigneur commence à opérer au fond. Je vois 2 personnes recevoir la grâce. Recevez. 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 Dis-le. Recevez. Receive. Au fond de la salle. At the back of the hall. Two people. Reçoivent la grâce. Are receiving the grace. Maintenant. Now. Amenez-le. Le Seigneur le touche. The Lord is touching them. Au fond de la salle. At the back of the hall. Ils seront touchés. They will be touched. Seront touchés. They will be touched. Ils seront touchés. They will be touched. Seront touchés. They will be touched. Ils seront touchés. They will be touched. Amenez-le. Bring them. Levez-les. Raise up their. Amenez. Bring them here. Il y a une deuxième. There's a second. A second one. Amenez-le aussi. Bring them here. Si. Here. L'onction est fort. The anointing is strong. 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 L'onction est fort. Receive. 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 Amenez-le. Amenez-le. Bring them. Bring them. Oh, strong, strong. Puissant, puissant. L'onction est grand. The anointing is powerful. Forte onction. There's a strong anointing. Forte onction. There's a strong anointing. Le Seigneur est en train de moindre. The Lord is anointing. Le voit même des prophètes. I even see prophets. Ils vont prophétiser. Who will prophesy? Leurs familles. On their families. Connais le prophète. You know the prophet. Nomme. Anointe. Le chauffeur. Ici. 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 Le chauffeur. Ici, le chauffeur. Ici, le chauffeur. Ici, tu le connais. You know them. Tu mets le volume. Tu le connais. You know them. Ils seront même prophètes. I see a prophet. Dans leur famille, seront prophètes. A prophet. Dans leur famille, seront prophètes. Il a fallu le plus prophète. Seront prophètes. Prophètes. Seront prophètes. Ils le connaissent. You know them. Renouvelle, ma femme. Renouvelle. Renew. Renouvelle. Renew. L'onction est là. The
prophète. And the prophet said, souffle. Flow. 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 Souffle. Maman dit qu'elle est renouvelée. Elle est renouvelée. Quand il y a de nouvelles capacités. Il y a new capacities. Chance qu'on est là. Les nouvelles. Levez les mains. La prophétie. La prophétie. La prophétie. Prophétie. Commence à sortir. Begin to come out. Touche maintenant. Des évangélistes, des apôtres, des apôtres, vous recevez. Oh, les mains levées. Receive all your hands up. Touch, 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 touch. Ça descend. Ça descend. Ça descend. It descend. Ça descend. It descend. Ça descend. It descend. La tête jusqu'au pied. From the head to the feet. The anointing is there. The anointing is there. The anointing is there. The anointing is there. Je fais. Receive. Lève les mains. Raise up your hands. L'onction est forte. The anointing is strong. Diminue le volume. Reduce the volume. Maman Béa, maman Eminence, c'est maman Béa, maman, maman Eminence. Une très grande option. We receive a very great portion. The husband. Maman Sony, maman Sony. We receive a great portion. Maman Béa est en train de vous communiquer. Maman Béa est communicating. Le Seigneur a dit. It is the moment the Lord was working. The power is there. The power is there. Receive. Je vois, on ouvre les oreilles. I see on the head. Grande onction, une grande onction. A great anointing. Là, je vois trois fils. I see three. Tu sais. Three. Ils vont aller parler en langue. They will be touched. They will speak in tongues. They will speak in tongues. L'onction descend. Voilà. The anointing is coming down. Ça touche. It's touching. Ça touche. It's touching. Voilà. Yes. Voilà. It's touching. La puissance est là. The power is there. La puissance est là. The power is there. La puissance est là. The power is there. Laisse le faire. Receive. 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 Receive it! Receive it! Yes! Sadesha! It's coming down! Sadesha! It's coming down! Sadesha! It's coming down! Le capacité! Ability! Le temps! Gift! Le capacité! Ability! Le temps! Gift! Le capacité! Ability! Le temps! Gift! Sadesha! Receive it! Son onction est là. The anointing is here. Son onction est là. The anointing is here. Son onction est là. The anointing is here. Son onction est là. His 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 anointing is here. Son onction est là. Receive that anointing. 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 You need it. Il en a besoin. You need it. Le Seigneur m'a dit. The Lord has qui va you. Pencher. You hit. Qui va pencher.